Mesdames et messieurs les journalistes, chers partenaires, parce que nous sommes partenaires, bonjour. Il y a un mois, ainsi que vient de le dire Vladimir, il y a un mois que je suis à présent arrivée à Bangui pour prendre officiellement mes fonctions de représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies ainsi que chef de la MINUSCA. Je voudrais donc commencer mes propos par des sincères remerciements aux autorités et au peuple centrafricain, parce que j'ai reçu un accueil extraordinairement chaleureux depuis mon arrivée en terre centrafricaine il y a un mois. J'ai été reçue par les plus hautes autorités du pays, comme se doit bien sûr. J'ai rendu les visites qui sont des visites usuelles de courtoisie, mais j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer les représentants de la société civile. J'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises Son Excellence Monsieur le Président de la République m'a fait l'honneur de me recevoir à plusieurs reprises, le Premier ministre bien entendu, plusieurs des ministres du gouvernement. J'ai également eu l'occasion de rencontrer plusieurs leaders de la plateforme religieuse. Ainsi que les membres du corps diplomatique et des représentants de population. J'ai effectué ma première visite de terrain la semaine passée à Bambari, et l'objectif essentiel, c'était de procéder au lancement d'une opération conjointe entre les forces de la MINUSCA et les forces armées centrafricaines ainsi que les forces de sécurité. Nous avons eu l'occasion de lancer cette opération avec moi-même et à mes côtés le chef d'état-major de l'armée centrafricaine, le directeur général de la police, le directeur général de la gendarmerie et bien sûr le général qui est le commandant de la force de la MINUSCA et le commissaire qui est le chef de la composante police de la MINUSCA. Au cours de cette visite à Bambari, j'ai également saisi l'occasion de ma présence pour rencontrer les autorités de l'administration locale en la personne du préfet de la Waka, mais aussi le maire de Bambari, les représentants de la société civile et de la population, ainsi que les partenaires de développement, les agences du système des Nations Unies bien sûr, mais aussi d'autres partenaires de développement qui ne sont pas du système des Nations Unies et qui sont représentés à Bambari, qui ont des représentants sur place. Ces rencontres ont été très informatives pour moi. Les différents acteurs et elles vont se poursuivre. Il est très important de continuer pour moi à interagir avec les différents interlocuteurs. Mais je dois ici peut-être faire un petit arrêt pour vous dire que ce qui m'a particulièrement frappé au courant de ma rencontre avec les représentants de population à Bambari, nous avons passé une heure et demie ensemble et tous, sans exception, les représentants, il y avait là les représentants des femmes, les représentants des jeunes, les représentants du conseil islamique local, les représentants des communautés chrétiennes, les chefs traditionnels. Et sans exception, le message qui m'a été convié a été en réalité un seul, que la préoccupation, notre préoccupation, Madame la représentante spéciale, est l'insécurité. Cela a été le message unique qui m'a été convié. En corollaire à ce message, notre préoccupation essentielle est l'insécurité et plusieurs d'entre nous vivons dans la peur. Parce que même si ici, au moment où nous nous rencontrons à Bambari, nous sommes dans la sécurité, c'est une sécurité qui est fragile parce que autour de Bambari, il continue à y avoir nous avons des informations sur des mouvements de groupes armés qui continuent à circuler autour de Bambari. Comme vous le savez, le Conseil de sécurité
a donné mandat à la MINUSCA de poursuivre son appui du processus de paix et d'appuyer les autorités centrafricaines dans la création de conditions propices à la pleine mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation par le biais de la feuille de route conjointe pour la paix en République centrafricaine, couramment appelée la feuille de Luanda. Cela se fait en dialoguant avec les pays voisins. Bien sûr, cela se fait sous la direction des autorités centrafricaines, en dialoguant avec les pays voisins, la communauté des États de l'Afrique centrale, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et l'Union africaine. C'est dans ce cadre, par ailleurs, que je me suis rendue du 1er au 3 mai en Angola, à Luanda, où j'ai eu l'honneur d'être reçue par le président de la République angolaise, Son Excellence Lourenço, et ainsi que le ministre des Relations extérieures de l'Angola. Nos discussions étaient fructueuses sur le processus de paix qui a cours en Centrafrique et sur la mise en œuvre de la feuille de route, l'état de la mise en œuvre de la feuille de route, pour être plus précise. Il vous souviendra que la feuille de route a été adoptée en septembre de l'année dernière lors d'un mini-sommet des chefs d'État et de gouvernement de la conférence des pays des Grands Lacs, lequel sommet a eu lieu à Luanda. Je tiens à souligner la convergence de vues entre les hautes autorités angolaises et la MINUSCA quant à la nécessité de renforcer et de poursuivre un partenariat afin de mobiliser la région et les partenaires sous la direction du gouvernement centrafricain en vue de maintenir un environnement propice à l'opérationnalisation de la feuille de route qui s'inscrit dans l'accord politique pour la paix et la réconciliation. J'ai particulièrement relevé l'intérêt de la région et les acteurs que la région et les acteurs portent à la mise en œuvre des recommandations du dialogue républicain, dont l'organisation a bénéficié d'un appui, comme certainement vous le savez, d'un appui important de la MINUSCA. Il nous faudra tous, à commencer par nous, les Nations Unies, le gouvernement centrafricain, la sous-région, les partenaires internationaux et toutes les parties prenantes, saisir l'opportunité du moment en travaillant ensemble avec les autorités nationales pour donner corps et substance à ces différentes recommandations. La tâche prioritaire que le Conseil de sécurité des Nations Unies a assignée à la MINUSCA et d'accompagner les autorités centrafricaines et le gouvernement centrafricain pour assurer la protection des populations civiles, dont, comme nous le savons, la première responsabilité revient au gouvernement centrafricain. Afin d'accomplir cette tâche de manière optimale, J'ai tenu à demander un réajustement du concept de notre force, de la force de la MINUSCA, lequel réajustement j'aurai l'occasion de vous expliquer de manière plus détaillée. Mais il suffit de dire que ce réajustement, en mots très simples, l'essentiel de ce réajustement, c'est d'adopter une posture proactive et une posture préventive d'exaction sur les populations civiles sur la base d'informations fiables qui sont recoupées d'informations fiables et intervenir en amont de manière proactive et préventive quand nous avons reçu ces informations. Bien sûr, ici, je fais une parenthèse pour souligner le rôle essentiel et le partenariat sur lequel nous comptons de vous, les journalistes, pour aussi nous transmettre certaines de ces informations auxquelles vous avez accès. Nous comptons énormément sur les organisations de la société civile. Bien sûr, nous avons une présence sur le terrain importante, la MINUSCA, mais nous ne sommes pas partout. Nous ne pouvons pas être partout. Les forces centrafricaines ont aussi une présence sur le terrain, mais également ne peuvent pas être partout. Donc nous comptons sur vous pour nous transmettre ces informations
en temps utile afin que ce concept réajusté, pour lequel j'ai donné instruction à la force, puisse être mis en œuvre. Ce mode opératoire a été lancé le 10 mai, donc la semaine passée, avec le lancement, à travers le lancement de l'opération conjointe à laquelle j'ai fait allusion il y a un instant, avec les forces de défense et de sécurité centrafricaines dans la localité de Mingala et ses environs. Il se caractérise, ce réajustement de notre force, par des opérations qui sont menées en étroite coopération avec les autorités, la force et la police de la MINUSCA, avec les forces de défense et sécurité centrafricaines. Bien sûr, tout cela a pour objectif de sécuriser, de créer les conditions propices à la paix, qui est notre mandat, à la paix, sécurité, et d'étendre la présence et autorité de l'État sur le territoire centrafricain, afin de permettre que les fonctions essentielles, administratives, mais aussi les services essentiels que doit fournir l'État au niveau de l'administration locale puissent être fournis. Je voudrais ici réaffirmer, c'est le lieu de réaffirmer ma détermination personnelle à utiliser de manière optimale l'autorité qui m'a été déléguée par le secrétaire général des Nations Unies pour utiliser toutes les ressources qui sont mises à notre disposition au sein de la MINUSCA. Et je ne parle pas de ressources matérielles ou de ressources de la force uniquement, mais éventuellement toutes les ressources qui sont mises au sein de la MINUSCA. Comme vous savez, nous avons un grand volet aussi d'action humanitaire. Le mandat que nous avons a été renforcé par la résolution 2566 avec des capacités additionnelles, que ce soit des capacités de troupes ou de police. Nous ne les avons pas toutes reçues au moment où je vous parle. Il y a eu un certain retard enregistré dans l'arrivée de ces troupes et troupes contingents et forces additionnelles qui sont essentiellement dues à la réalité, à toutes les perturbations qui sont liées aux changements soudains dans les coûts de transport. Comme vous savez, pour que les troupes puissent arriver et être effectives directement sur place, nous avons besoin qu'elles soient là avec leurs équipements. Le secteur d'approvisionnement global a été perturbé et nous n'avons pas été épargnés en tant que MINUSCA. Avec l'environnement créé par la mise en œuvre de la feuille de route l'extension du contrôle de l'État sur le territoire, nous continuerons à porter notre appui au gouvernement centrafricain pour mobiliser la sous-région mobiliser la sous-région à utiliser elle-même toutes les ressources politiques dont elle dispose, l'influence politique dont elle dispose, et mobiliser les leaders de groupes armés à renoncer définitivement au recours à la violence et revenir vers un processus politique de résolution de conflits. Les élections électorales, sur lesquelles je voudrais dire, les élections locales sur lesquelles je voudrais dire un mot, représentent une étape essentielle de la mise en œuvre de la politique de décentralisation, de la présence effective de l'État sur tout le territoire, présence administrative à l'accès de toutes les couches de la population, y compris les groupes qui ont été traditionnellement marginalisés du management, de la gestion des affaires politiques. Je pense ici au groupe que représentent les femmes et les jeunes, qu'en règle générale, l'on ne voit pas trop souvent parmi les décideurs et les acteurs politiques. La MINUSCA entend poursuivre son soutien multiforme à la création de ces conditions favorables à l'organisation effective en 2022
et 2023 à ces élections locales. Et nous continuerons, nous sommes déjà en train d'assister les efforts du gouvernement dans ce sens et maintiendrons ce soutien. Parmi les priorités que j'ai partagées, qui ont été partagées par plusieurs des interlocuteurs avec lesquels j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges nourris depuis un mois que je suis là, je mentionnerai celle de la nécessité de renforcer la capacité, les capacités des forces de défense et de sécurité afin qu'elles puissent exercer la plénitude de leurs compétences sur l'étendue du territoire national. C'est un défi qui a été reconnu par les autorités avec lesquelles j'ai eu l'occasion de m'entretenir elles-mêmes et donc c'est un besoin essentiel. Une pierre angulaire du processus de paix et le DDR, très couramment donc le désarmement, démobilisation et réintégration. Je tiens à réaffirmer ici le soutien que nous allons continuer à apporter en tant que MINUSCA à la réforme du secteur de sécurité afin de nous assurer qu'une fois que les combattants des groupes armés volontairement acceptent de se désarmer, il y a véritablement un processus qui est en place qui leur permet de se retourner vers la vie civile ou alors qui leur permet de passer par une formation adéquate pour éventuellement être intégrés au niveau des forces nationales. Je voudrais ici également faire un point sur le commencement effectif des activités de la Cour pénale spéciale, qui je pense que nous accueillons très très favorablement. Et dont je me réjouis personnellement. Nous continuerons à porter notre soutien à la Cour pénale spéciale dans sa mission de recherche de la vérité, oui, mais aussi dans sa mission de justice pour les victimes et dans sa mission de contribuer à rendre réelle la culture de non-tolérance à l'impunité. Le même soutien est apporté à la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. J'ai pu constater avec satisfaction qu'en optant pour la combinaison des mécanismes judiciaires et des mécanismes de vérité, justice, réparation et réconciliation, les réformes institutionnelles, le peuple et le gouvernement centrafricain clairement consacrent une approche globale de justice transitionnelle, centrée sur les droits des victimes, à la vérité, mais centrée également sur la justice et la réparation. Une telle approche mérite le soutien de nous tous, MINUSCA, mais tous les autres partenaires également. Je tiens enfin à attirer sur la situation humanitaire préoccupante. Le plan de réponse humanitaire de 2022 est estimé à 460 millions de dollars. À ce jour, seuls 22% de ces fonds ont été disponibilisés, raison de notre préoccupation partagée. Mesdames, Messieurs les journalistes, la coordination souhaitée lors des opérations conjointes MINUSCA Forces de défense et de sécurité, comme je l'ai souligné, ne se limitera pas au domaine militaire et policier. Nous renforcerons la MINUSCA, la concertation, la coordination avec tous les acteurs afin de mener ensemble nos actions dans le cadre du mandat de la MINUSCA. Au profit du peuple centrafricain qui mérite la paix, où tous méritent de vivre dans le respect de leur dignité et dans le respect de leurs droits.
Je tiens ici, m'adressant à vous, professionnels des médias, à souligner le rôle de la presse centrafricaine avec laquelle la MINUSCA, nous souhaitons poursuivre la collaboration pour faire écho du vécu et de l'expérience des populations qui reste la priorité et la cible prioritaire de notre mandat et de toutes les activités dans lesquelles nous nous engageons. La MINUSCA souhaite travailler avec vous tous, avec chacun d'entre vous, avec les acteurs des médias dits traditionnels, avec les acteurs des médias électroniques, pour lutter contre la désinformation et lutter contre ce qui, il ne faut pas se le cacher, a été à plusieurs reprises des discours de haine mobilisation à des discours de haine, afin que chacun puisse apporter sa contribution au processus de paix et de réconciliation en Centrafrique. Je viens d'une histoire personnelle où nous savons que les mots peuvent être traduits ensuite en actes de violence. Les mots d'appel à la violence peuvent ensuite conduire à des actes de violence importants, et donc les mots ne sont pas innocents. Ceux qui véhiculent des propos de haine ou qui font l'écho de propos de haine devraient aussi être redevables de la responsabilité que les actions, que les mots qu'ils ont conviés ont provoqué comme action. Je vous remercie de votre attention.